Well, that's for you to. Yeah, you can take it off. Hey gal, t'as vu les belles décorations? Yeah, there is this. Il y a du beau hein, là-dedans, regarde. Ça, c'est à toi. Oh, that is such a nice spot for it. I love it. Hello, good morning. On est dimanche aujourd'hui, j'ai pas filmé hier, il faisait pas beau, j'étais pas bien, je vous jure que vraiment mes humeurs se règlent en fait selon la météo. Et si on me mettait en Alaska, je crois que je deviendrais complètement folle en fait. Mais voilà, du coup aujourd'hui on est dimanche, je vais finir mes décorations. Je vais aussi évacuer l'automne puisque c'est encore l'automne à l'extérieur de la maison, donc on va retirer tout ça et on va changer pour les décorations de Noël. Hier j'ai juste passé la journée en fait à faire du linge et à nettoyer un petit peu la maison. Ce soir en fin d'après-midi on va aller voir les décorations de Noël dans la ville parce que tous les ans en fait au bord de la rivière ils font tout un chemin en fait de décoration, donc on va aller voir un petit peu ça. Ça fait depuis, j'étais enceinte la dernière fois que j'y étais, donc ça fait 5 ans et j'ai vraiment envie de voir un petit peu, je me souviens plus et j'ai envie de vous prendre avec moi et tout. Je porte aujourd'hui mes magnifiques pantalons, oh, ils sont trop confortables, je vous jure, ils sont vraiment trop confortables, j'adore la couleur. Le petit souci, et ça vient de moi en fait, c'est que j'ai une si fine taille mais des assez gros mollets en fait, donc du coup c'est un petit peu serré là. En même temps je fais 1m75 et que des jambes en plus, donc du coup ça a tendance à être un petit peu, c'est probable un peu trop court sur moi. Ça devrait probablement arriver là chez les gens normaux qui n'ont pas des jambes de 15 mètres de long, mais ouais du coup c'est un petit peu large à la taille, mais avec mon pull rentré dedans bah, ça tient tout seul, c'est tellement agréable et la couleur est trop belle. Je vais enfiler les autres pièces aussi tout à l'heure. Hunter il est en train de prendre son café dans la chambre, mais tout à l'heure quand il sera sorti je vous montrerai les autres pièces. Je vais finir les décorations, j'ai mon étoile à accrocher et puis j'ai ces petites choses là aussi, je sais pas si vous vous souvenez, on les a achetées ensemble la dernière fois. Vous vous souvenez? Oh, elles sont trop belles. Du coup j'en ai, je pensais en avoir pris 5 comme celle-ci, mais en fait j'en ai 4 comme ça et celle-ci elle est un petit peu différente. Celle-ci elle est complètement dorée. Attendez, j'aimerais essayer de vous montrer. Come on, fais le zoom. Voilà, celle-ci elle est complètement dorée en fait. Ça perd ses petites boules par contre, c'est trop triste et ça en perd beaucoup. Et celle-ci elle est argentée mais un peu multicouleur aussi. Bon, l'exposition c'est pas trop ça. Je suis complètement folle avec mes décorations. La raison que j'aime bien faire les trucs, c'est que je vais mettre une décoration, puis après je me recule et je regarde l'arbre. Et puis après je remets une deuxième et puis après je me recule. Je vous jure, j'ai vraiment des problèmes. C'est parce qu'elles sont un petit peu différentes celles-ci. Je vais la mettre un petit peu plus cachée celle-là. On va la mettre là. Oh, elles sont trop mignonnes. Je suis trop contente d'avoir pris ça. J'adore les petites pommes de pin. Get that toy. Why don't you get that toy? Get that toy. Yay! Hi. What are you doing?
What are you doing? Petit souci avec les fenêtres quand t'as le fond comme ça, c'est que t'as tendance à voir à travers le sapin parce que la lumière elle passe à travers. Ce que je fais de temps en temps en fait, c'est que je mets du papier de soie noir ou vert foncé et je le cale comme ça en fait, comme ça ça arrête la lumière de passer. On a l'impression qu'il est beaucoup plus fourni parce que en fait, s'il n'était pas devant les fenêtres, tu verrais pas comme ça à travers. Donc ça c'est un petit peu frustrant. J'ai dû aller chercher la l'échelle pour l'étoile. J'ai aussi les nœuds papillons du coup à mettre pour le pour la cage d'escalier. Mon d'ombre. Hey. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais passer en fait derrière, juste là, je passe un petit attache décoration de sapin là, vous savez. Yeah. Yeah, you can. Je suis bien contente de ma matinée, j'ai réussi à faire exactement tout ce que je voulais faire. Là, je vais mettre mon lave-vaisselle en route. Je suis en train de terminer de prendre en photo mes petits cupcakes. Ils sont trop mignons, mes petits cupcakes. J'ai fait ça hier, en fait, je les ai fait pour ma fille. On a des petits soucis à l'école. En fait, on suspecte qu'elle est hyperactive. On va aller la faire voir le pédiatre, en fait, pour lui poser des questions à ce sujet-là. Et c'est pas la fin du monde, c'est juste qu'on veut savoir si c'est le cas ou pas pour qu'on puisse avoir les bons éléments pour faire en sorte voilà, que tout se passe bien à l'école et tout, parce que bon bah, elle a un peu tête en l'air, elle a tendance à, vous savez, avoir les symptômes, on va dire, d'un enfant qui est hyperactif. Et du coup, cette semaine, ça s'est très bien passé à l'école. J'avais promis, si à la fin de la semaine, elle n'avait pas eu de problème à l'école, que je lui ferais des petits cupcakes. Du coup, je me suis amusée à lui faire des cupcakes hier et je me suis dit que ce serait vachement sympa de vous partager la recette vu que c'est fait et tout. Et en plus, ils sont tellement beaux. Donc, c'est des cupcakes à la vanille que j'ai fait avec un centre au coulis de fraises maison. Donc je me suis amusée à faire mon petit coulis un peu style entre un coulis et une confiture, et ensuite j'ai fait un glaçage un peu chamallow et glaçage beurre chamallow. Je suis pas hyper fan du glaçage, il est très très bon, il est très très bon. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus léger, j'avais envie d'un truc un petit peu plus gonflé, un petit peu plus léger, un petit peu plus aérien. Ça s'est pas passé comme ça, c'est une nouvelle recette que je testais, donc voilà. Mais en soi, ils sont trop beaux, regardez-moi ça, il est trop beau, mon petit coulis et tout. Et en fait, elle m'a demandé des cupcakes à la fraise et du coup je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ça lorsque j'ai fait, je sais pas si jamais vous en souvenez, si jamais vous me suivez déjà à l'époque, lorsque on a annoncé en fait son sexe à Piot, lorsqu'il était encore dans mon ventre, j'avais fait des cupcakes en fait avec un fourrage rose, mais c'était du glaçage. Et là du coup j'avais envie de faire quelque chose un petit peu plus dans le même esprit mais un petit peu plus délicat, et je suis trop contente, ils sont absolument divins, vraiment, je suis trop contente de moi. Hello gorgeous, regardez-moi la beauté. Voilà, je vais finir tout ça. C'est très difficile de pas bouffer tous les cupcakes là parce qu'ils sont juste, ils se laissent manger hein, mais il y a une tablette de beurre quand même dans le glaçage. J'aimerais bien quand même essayer ces petites affaires là avant que la nuit tombe, hein. Ça serait quand même sympa parce que vu qu'on n'a pas fait ça vendredi parce qu'il faisait nuit, on voit plus, je suis transparente. J'aimerais bien essayer les vêtements que j'ai reçus de Marsté. Donc comme je vous l'ai dit, je porte là le pantalon, attendez, je vais vous le montrer. Bon déjà, je suis complètement débraillée, je suis désolée. Alors attendez, idéalement, je suis un peu mieux habillée que comme ça. Je reporte ce pull-ci que vous avez vu dans ma vidéo
Dans ma dernière vidéo mode en fait, donc c'est un pull qui a plusieurs années, vous avez été nombreuses à me demander un petit peu d'où est-ce qu'il vient. Je crois qu'il venait de Zara, je sais plus. Ouais, Zara, mais il a plusieurs années, donc il est plus disponible. Je vous aurais mis des alternatives, des choses similaires à ce pull-ci. Donc voilà, je suis habillée comme ça aujourd'hui avec ce petit pantalon style legging, hyper 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 agréable. J'ai l'impression d'être dans un pyjama en fait, sauf que j'ai quand même l'impression d'être habillée. Donc j'adore en fait ce style de pantalon quand je suis à la maison, que je fais rien de très intéressant on va dire, et que j'ai envie d'être cage mais en même temps d'être bien habillée. Donc voilà, très 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 sympathique ce petit pantalon là, je l'aime beaucoup. Et du coup les autres pièces, alors la veste je l'ai déjà lavée en fait, mais les autres pièces je voulais les, parce que la veste elle me va, donc je l'ai déjà lavée. Les autres pièces, je voulais les essayer avant de les laver. Donc on va voir ça. Donc première chose, on a le body. Je sais pas si c'est le reflet du soleil ou juste des traces sales sur mon miroir. J'arrive pas à me décider. Et ce body, il est vraiment trop trop bien. Il est hyper confortable. Et voilà quoi. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'est un vrai body avec, il y a deux petites pressions là entre les jambes. Le col remonte très très légèrement et les manches font un petit peu comme ça en rond. Ça fait pas encore razor, mais... un petit peu. Punaise, d'où que tu sors ces formes là toi? D'où est-ce qu'elles viennent? Elles n'existent pas habituellement, non? Je suis trop contente, elle est vraiment super jolie et le textile est hyper épais en fait, donc ça c'est hyper bien parce que ça fait un peu un système de gaines en même temps que t'as la robe, enfin la jupe. C'est canon quoi. Trop bête que j'ai pas eu ça un petit peu plus tôt. Mes fesses, je vous jure vraiment que ça remonte. Éventuellement, je continue le sport. On a de pas reparler. Faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo un petit peu... une routine sport, etc. Je fais pas un million de trucs, mais je suis active. Donc c'est déjà le principal. J'ai la veste, je vais la réessayer maintenant que j'ai... Bah attendez, je vais vous prendre avec moi. Maintenant que je l'ai lavée... Regardez, ça remonte quand même assez bien. Là finalement ça me fait des manches lorsque je porte cette petite veste-ci. Et avec mon trench que j'avais eu sur Asos là il y a une paire d'années, ben ouais. J'aime bien. Elle est juste hyper bien en fait. J'aime beaucoup en fait le système de pression. Ça s'ouvre en fait et tu l'enfiles de cette manière-ci. Tu te glisses dedans puis après tu refermes toutes les pressions. J'adore le col en fait. Ça je trouve que c'est juste trop canon. Comme ça avec le col hyper chic, classe, noir et tout. Et les longues manches. C'est juste que je pense que j'aurais vraiment voulu avoir un... Pas très très long mais juste quelques centimètres en plus quoi. Pour pas que ce soit court-court. Parce que là c'est vraiment court-court. Mais bon, je sais que je vais quand même la porter. D'ailleurs, avec la veste, c'est ce que je fais souvent en fait quand j'ai des jupes ou des robes comme ça qui ont tendance à vouloir remonter, qui sont quand même assez courts. Je porte des vestes longues avec et ça me dérange un petit peu moins, ça casse un peu. Et finalement, ça fait que court devant parce que t'as la veste derrière. Donc je pense que je ferais probablement ça, une paire de bottes cuissardes pour essayer de... d'avoir un petit peu chaud aux cuisses. Mais sinon franchement elle est très belle. À part ça, mes fesses elles sont comment? Je suis vraiment très contente. Je vais replier ça, je vais faire ça après. Je replierai ça, je vais le mettre directement posé à côté de mes affaires pour faire ma valise. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous parce que, enfin je sais pas si jamais vous pouvez le sentir ou le voir ou peu importe, mais je me sens pas moi-même en fait. Je me sens hyper préoccupée. Est-ce que c'est le fait que je me suis pris la tête tout à l'heure avec Hunter? Ou est-ce que c'est le fait que je prends l'avion la semaine prochaine avec Piotr et que voyager à vie avec un enfant en bas âge, c'est jamais le truc le plus cool au monde en fait? Ça me stresse énormément et la vérité c'est que honnêtement... J'ai un petit peu du mal en fait à revenir en France et à chaque fois que je... Quand je suis en France tout va bien, mais en fait c'est la semaine avant que j'arrive en France et tout, l'appréhension en fait, je sais pas comment vous expliquer, de... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Attendez, laissez-moi vous poser. Punaise, il fait déjà nuit, il est 3h de l'après-midi. Je vais vous poser et on va discuter un petit peu. Attends, tu sais quoi? Pendant que je suis assise ici, je peux bien replier ça vite fait avant que ce soit recouvert de,
de poils de chat et de chien. Je me sens vraiment préoccupée en fait, parce qu'à chaque fois que je reviens en France, je sais pas comment vous expliquer, j'ai ce style d'angoisse en fait qui est très très étrange. Je vais paraître pour la fille, mais alors la plus ingrate et la plus... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais en fait, c'est un truc que j'ai du mal avec. J'ai du mal, pas que j'aime pas qu'on vienne me voir, etc., parce que franchement, j'adore. Mais en fait, c'est que j'ai eu plusieurs expériences qui étaient un petit peu étranges. Et vu que j'ai pas l'habitude, en fait, ça m'a un peu... je sais pas comment vous dire, ça m'a un petit peu choquée. Et du coup, à chaque fois que je reviens en France, et ben, j'ai cette appréhension. Et encore plus, sachant que ma fille va être avec moi, en fait, et qu'on va être ensemble. Je sais pas comment vous dire, j'ai toujours, en fait, cette peur de... J'ai toujours cette peur, en fait, que quelqu'un la prenne en photo et la poste en ligne, tu vois. Enfin, et à chaque... En fait, j'ai peur aussi d'en parler avec vous, parce que j'ai peur qu'en parlant, ça fasse en sorte que ça aggrave le problème et qu'il y ait quelqu'un qui... Enfin, que je donne l'idée à quelqu'un, en fait. Mais c'est une réelle angoisse, en fait, qui est avec moi. Et je sais pas comment vous expliquer, en fait. Et c'est pas comme si j'imaginerais que les gens qui... Enfin, les gens, ils ont d'autres choses à penser qu'à moi et à ce genre de trucs. Je le sais bien, mais en fait, c'est ce type de peur et d'angoisse qui est complètement... ridicule quoi, qui est pas réaliste du tout, et j'arrive pas à éliminer ça de ma vie, et du coup ça fait en sorte que je me sens hyper préoccupée. Et comme je disais, ça n'aide pas le fait que bah, je me suis pris la tête avec Hunter, et du coup, enfin, je sais pas comment vous dire, je me sens comme ça. Là tout de suite maintenant, je me sens comme ça. Et mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Et après je serai en France, et j'ai quelques jours où je vais travailler, je vais avoir plusieurs jours avec ma famille, je vais pouvoir revoir mon frère que j'ai pas vu depuis un long moment, ma soeur, mes neveux et tout. Donc ça va être juste trop bien, on va se faire un faux vrai Noël et tout, et pouvoir peut-être fêter mon anniversaire quelques semaines avant avec ma famille, parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et ça, c'est un truc aussi qui me plombe le moral. Encore un Noël sans ma famille, et encore un anniversaire sans ma famille, et encore plus parce que c'est mes 30 ans. Ça me retire un petit peu la magie de Noël cette année, alors que je suis hyper excitée et que Piotr allait juste à fond et tout. Elle était trop contente de faire les décorations et... Enfin bon, j'espère du coup que ce voyage en France va être bénéfique pour moi, et que je me sentirai bien, et que après avoir passé un petit peu de temps avec mes parents et ma soeur et mon frère, et enfin toute ma famille à moi, de me ressourcer un petit peu et tout. C'est un truc qui est hyper bizarre en fait, d'être complètement déséquilibrée comme ça par moment, de pas me retrouver en fait des fois dans mon univers, et d'avoir ma place. J'ai ma place, mais je la cherche en fait. Quand ma mère elle est pas à côté de moi, je cherche ma place. Enfin voilà, bref, je suis en train de peler mon vernis semi-permanent, j'ai pas eu encore le temps d'aller faire mes ongles, et c'est la catastrophe, mais c'est le cadet de mes soucis, pardon. Et bah voilà, puis ça n'aide pas en plus, honnêtement. Je suis pas tombée sur une vidéo parce que j'étais taguée, donc je l'ai vue forcément, et la vidéo était pas négative, mais je l'ai pas trouvée qui était très positive non plus, honnêtement. Des fois je me dis, mais les gens, est-ce qu'ils oublient, ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement de se dire qu'il y a quelqu'un en fait derrière l'écran? C'est-à-dire, il y a un réel être humain en fait. Est-ce que tu le sais, ou est-ce que tu t'en fous, ou est-ce que tu as oublié, ou qu'est-ce qui se passe? Donc... Je me sens nulle. Aujourd'hui, je me sens nulle. Titre de cette vidéo, aujourd'hui, je me sens nulle. Non, je vous promets, ce sera pas le titre. Allez, bref, je vais mettre ça de côté, à côté des trucs que j'ai déjà préparés pour ma valise. Et puis voilà, je pense que là, ça va être l'heure du goûter. Ça va être l'heure de se manger un autre cupcake, ok? Tu sais quoi, je crois que je mérite de manger autant de cupcakes que j'ai envie aujourd'hui, parce que le mood, il n'y est pas, et le sucre fera en sorte que ça remontera... Ça remonte à mon moral. Et puis on va aller voir les décorations là. Le soleil est déjà en train de se coucher. Je vous jure, il est 3h, le soleil est déjà en train de se coucher. Mais on va aller voir les décorations. Je pense que ça va m'aider un petit peu aussi. Allez. Allez, motivée, motivée. Elle s'en fout. Elle a pas de soucis dans la vie. Hein, ouais.